bienvenue sur ma chaîne Virse et moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors oui, j'ai tourné la vidéo précédente et celle-ci le même jour. Voilà. Donc du coup, forcément, je suis habillée pareil. J'ai tout pareil. Hein, y a rien qui a changé. Donc, je vous disais donc dans la précédente vidéo que je n'achetais plus rien. Voilà. Effectivement, je n'achète plus rien. Par contre, on m'a fait un cadeau. Ma fille est allée hier chez Noz et en allant faire un petit tour chez Noz, elle a trouvé des DP chez Noz. Donc du coup, elle me les a pris. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Donc le premier DP, elle a payé 3,50 €. C'est un petit, c'est un 20 sur 30. Alors, ça aurait été moi, celui-ci, j'aurais peut-être pas forcément pris. Voilà. Mais bon, elle n'a pas cherché à comprendre, elle a pris ce qu'il y avait. Alors, elle avait une photo, elle avait une photo en partant se promener et elle disait qu'il y en avait un en plus. Il y a l'arbre, vous savez, l'arbre, un côté bleu, un côté jaune, je ne sais pas quoi, l'arbre avec quatre, voilà. Et elle disait, bah, je l'avais vu, j'allais te le prendre, il n'y était plus. Donc, elle m'a pris celui-ci. Alors, Excel chez Noz, c'est nouveau chez eux. Pas les DP parce que j'en ai déjà eu, mais par contre c'est pas des partiels, c'est des complets. Celui-ci a 18 couleurs. Voilà. Donc du coup elle m'a pris donc celui-ci et ils ont les DMC. Voilà. Donc il est complet. Ils sont pas partiels, ils sont complets et ils ont les Alors, le kit, donc toujours le petit stylet rose, la petite barquette verte et le petit pain de colle. Alors, en ce moment, je m'en resserre des pains de colle. En ce moment, je suis plus sur la Gudotte. Je me resserre des petits pains de colle. Et, alors, sur les sachets, alors je ne vais pas tous vous les ouvrir, les sachets. Je vais juste regarder s'ils sont tous faits de la même façon. Alors, les sachets, dessus, on retrouve le numéro de toile. Alors, sur les sachets, alors, donc c'est des sachets en ribambelle. Ou des sachets en chapelet, hein, voilà, vous les appelez tout un peu différemment. Donc ici, vous retrouvez la référence de la toile sur chaque diamant, enfin sur chaque paquet de diamants. Vous retrouvez le numéro qui est attribué et vous retrouvez le DMC. Donc c'est bien parce que du coup, ils ont tous un DMC. Alors vous voyez, comme dans celle-ci, on tourne un peu sur du vert, enfin c'est pour ça que je ne montre jamais trop. Parce que ben, on n'a pas trop on voit pas. Enfin, je trouve que ça rend pas justice à la caméra, les couleurs. Vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est un vert foncé. Et vous devez. Là, moi, je le vois gris. Personnellement, je le vois gris en retour caméra. Donc, voilà, c'est pas top. Et vous voyez, les gris sont ici. Alors, moi, ici. C'est quand même folklore. Ici, j'ai deux gris et limite, vous voyez des marrons. Enfin, en retour caméra, moi, je vois du marron. Donc, là, c'est du vert anis. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je passe jamais trop de temps à vous montrer les couleurs parce que j'ai l'impression que ça n'a rien à voir comme ça en sachet. C'est pas... le rendu n'est pas top. Donc, du coup, hein, donc, en ce moment, dans les noses, alors, je sais pas si c'est dans tous les noses, mais en général, quand il y en a dans l'un, il y en a dans l'autre. Et donc, ils sont à 3,50 les... alors là, au niveau des prix, j'ai pas trop compris. Hein. Donc, celui-ci, donc c'est à 3,50 les petits en 20-30. Vous voyez, bon, il est mal découpé là, vous voyez. Mais bon, limite, on s'en fout parce que de toute façon, une fois qu'on l'a fait, en général, voilà, on en colle et puis après, on découpe. Donc, pas très gênant. Et puis, ben, limite, je trouve qu'une petite toile comme ça, alors, elle a limite, ça suffit. Voilà, elle n'a pas besoin d'être plus grande. Et, voilà, pour ça, ça n'a pas besoin d'être plus grand. Ça ne va pas faire un effet brouillon, on va dire. Hein. Ça va pas, non, je ne pense pas que ça va faire pixeliser non plus en vue du dessin. Je ne pense pas. Je vous montrerai de toute façon une fois que ça sera fait. Et ça, comme c'est des petits, je pense que ça devrait aller rapidement. Hein. Bon là, je vous dis, je suis à fond dans cette toile de Noël que je viens de vous présenter juste avant, ma toile catastrophe, enfin que je viens de vous présenter, que vous avez vu dans ma précédente vidéo. Mais à part ça,
Bon, tu vas rentrer dedans. Mais je pense pas que... je pense pas que je vais traîner à les faire parce que du coup, je pense que je vais faire celle-ci entre deux de mon carré. Après que je reprends mon carré, le V, hein, je l'avais montré tout à l'heure, ça pop. Entre deux, je ferai peut-être ces petites toiles-là. Ensuite, elle m'a pris celle-ci. Alors, celle-ci, pareil, en 20-30, toujours au prix de 3,50. Alors, comme ça, j'ai pas ouvert. Donc, on va regarder ensemble. J'avais ouvert que celle-ci hier soir. J'ai pas ouvert les autres. Alors, celle-ci, par contre, elle risque d'être un petit peu peut-être pixelisée. Parce qu'il y a quand même deux renards. Renard. Ouais. Alors, quoique, il y a Lucie qui avait acheté pour son fils. Mais c'était, il était comme ça, c'était un chat. Il n'y avait qu'un chat. Elle a acheté comme ça chez Noz en 20-30, il y a déjà un petit moment, hein, quand on a déjà eu la fois dernière. Elle avait trouvé un chat, donc elle a ce que son fils a fait. Et honnêtement, en 20-30, je ne m'attendais vraiment pas à ce rendu-là. Quand il a eu terminé, elle nous l'a montré. Et je ne m'attendais vraiment pas à un rendu aussi beau. Voilà. Je me suis moi-même, j'étais. Enfin, elle a été étonnée. Et moi, j'étais aussi vachement étonnée du rendu de la toile. Donc bon, je sais pas, on verra bien. Là, je peux pas dire en 20-30, deux personnes. Enfin, il n'y a que deux têtes, après on me dira. Hein, c'est pas. Je sais pas, à voir. Alors ici, on est sur un 19 couleurs. On a également les DMC. On va regarder un petit peu ce que la toile. Elle colle. Alors, elle colle. Rien à dire, ça colle. Au niveau du toolkit, on a exactement le même toolkit. Hein, la barquette, le pain de colle, le petit stylet rose. Et au niveau des diamants, alors dessus, vous voyez, c'est pas écrit comme l'autre, Diamond. Parce que sur l'autre, c'est écrit Diamond. Alors, sur celle-ci, on retrouve également le numéro de la toile. On retrouve également le numéro et on retrouve également le DMC. Et c'est des sachets également en chapelet ou en ribambelle, comme vous voulez. Donc voilà pour la suivante. Elle me dit qu'il y avait plusieurs sortes et donc je lui dis il n'y avait que cela. Elle m'a dit qu'il y en avait d'autres parce qu'ils avaient mis une photo sur le site. Donc j'ai regardé la photo. Et effectivement, il y en avait d'autres. Dans le nôtre, hein, de Noz. Et elle dit qu'il n'y en a qu'un apparemment que je n'aurais pas trouvé. Donc à voir, il y aurait que ces 5-là dans le nôtre pour le moment. Est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas? Je ne sais pas. Mais de toute façon, si c'est elle qui tombe dessus, bah, sûrement qu'elle me les prendra. Si c'est moi, je n'achète plus rien. Voilà. Donc, puis de toute façon, j'y vais plus beaucoup chez Noz. Ensuite, elle m'a pris celui-ci. Alors hier, j'ai montré vite fait aux filles. Et Valérie, on a fait un petit visio hier soir à 3. Et Valérie me disait qu'en ce moment, il tourne partout. Voilà, cet épée-là, il tourne partout. Alors, vous voyez, ce que je comprends pas, c'est que les petits, en 20-30, ils sont à 3,50. Et les 30-30, ah ouais, c'est un 30-30, je pensais que c'est un 30-40, non. Et les 30-30, ils sont à 3,99. Voilà. Il y a 10 cm de plus pour... Ah, c'est ça. Il y a 10 cm de plus avec une différence de 49 centimes. Alors. Voilà ce qu'il donne. Par contre, celui-ci, vous voyez, je pense qu'il va bien rendre. Parce que ben, en 30-30, je pense que c'est une bonne taille. Voilà, on n'a qu'une tête, donc je trouve que c'est une bonne taille. Alors, est-ce qu'il colle bien? Les toiles sont super épaisses. Est-ce qu'elle colle bien? Oui, elle colle très bien. On a 20 couleurs et on a également les DMC et les symboles. Voilà, on retrouve à peu près les mêmes symboles partout. Vous voyez, au niveau des symboles, on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, C, D, F. Voilà, rien de bien méchant.
Voilà, pas des lettres qui se ressemblent, rien du tout, pas les couleurs non plus. Alors, sur les sachets, donc toujours des sachets Henri Bambel, on retrouve également, alors je vais quand même faire le numéro de la toile. Alors, donc, on a également le numéro de la toile, on a également le numéro qui s'indique et on a également le DMC. Et vous voyez, c'est tous également des pleines, voilà, c'est pas des, des partiels comme on a eu à une époque. Là, elles sont bien... Alors, bah, celle-ci, je vais peut-être me dépêcher quand même de la faire, puisque bah, c'est quand même... c'est un petit renard. Je pense que c'est un petit renard, hein. Petit renard, ou je sais pas quoi, ou un chien, ou... Je sais pas. Enfin, ouais, un renard. Hein. Pour moi, c'est un renard. Comme il y a des petits... des petites LED, vous voyez, voilà, limite, il s'est enveloppé dans la petite LED du sapin, un truc comme ça. Ça me fait penser un peu à ça, vous voyez. Bon, mon imagination, elle est partie, là. C'est le petit, ouais, le petit renard ou le petit chien qui est passé dans le sapin et qui a embarqué avec lui le... Oh, Virginie, telle imagination. Il a embarqué avec lui la petite lampe LED. Ouais, bon, vous avez le droit de rire de mes conneries. Hein. Bon, maintenant, je rigole, mais finalement, je rigolais pas. Bon, bref, je vous en parlerai plus tard. Et ensuite, elle m'a pris celle-ci. Alors, celle-ci, je pense que je ne la ferai pas tout de suite, par contre. Toujours au prix de 3,99€. Voilà, c'est plus une toile d'été. Hein, une couchée de soleil, la plage. Ouais, donc je ne pense pas que je la ferai tout de suite. C'est également une complète et c'est une 30-30. Voilà. Alors, la toile, par contre, leur toile, je trouve qu'ils sont super, super épaisses. Voilà. Donc, ça, je pense que ça sera plus une toile que je ferai cet été. Hein. Puisque là, on n'est absolument pas dans... Voilà, il s'y fait froid. Hein. Ou alors, à moins que cet hiver, j'ai une folie et que j'ai vraiment envie de faire une toile d'été parce que j'ai envie de me retrouver en été, j'ai envie de me retrouver à la mer, j'ai envie de soleil, qu'il me prendrait une crise et que je la ferai. Mais sinon, je pense que ce sera une toile qui sera plus faite au niveau de cet été. Alors, est-ce qu'elle colle bien? Oui, elle colle bien. Elle a 20 couleurs. Par contre, ce que j'ai pas pensé regarder, on dit 30-30, mais je vais quand même regarder. En fait, c'est une 25-25. Voilà. C'est 30-30 avec les bords. C'est une 25-25. Voilà. Donc, elle a également, donc c'est une 20 couleurs, et elle a également les DMC. Et c'est toujours pareil, donc des sachets Henri Bambel avec le numéro de la toile, le numéro et la référence DMC. Voilà, donc tout est pareil. Donc toujours au prix de 3,99€. Voilà, les toiles sont vraiment impeccables. Donc voilà pour mon petit, mes petits achats par procuration. Donc voilà, enfin par procuration, c'est mes petits cadeaux, c'est ma fille qui est... Voilà, c'est pas... C'est des petits cadeaux. Voilà, bah écoutez, dites-moi si de votre côté vous en avez trouvé. Est-ce que vous en avez vu chez Noz? Est-ce que vous avez déjà un Noz? Est-ce que vous en avez vu? Je trouve que celles-ci, elles sont plus intéressantes quand même. Hein. Je trouve qu'elles sont plus belles. Commence à en avoir des plus belles. Et puis, ben, elles sont pas partielles. Bon, des fois, une partielle, c'est intéressant. Hein. Je vous dis, quand on fait autre chose à côté, des fois, faire une petite partielle à côté. Moi, j'aimais pas trop les partielles. Et je commence quand même à bien apprécier. Parce que quand on fait une toile qui est un peu casse-pied sur les bords, et ben, moi, je me dis que, ben, en faisant soit une petite toile comme celle-ci, les petites, là, les 20-30. Donc, 20-30, ça doit être 15... 15-25. Donc en faisant une petite comme ça à côté, ça peut être bien, ou alors une petite partielle, ça peut être pas mal aussi. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que mon petit haul, enfin mon petit haul, mais mes petits cadeaux offerts par ma fille vous auront plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.